Attendez. On fait déjà pour regarder. C'est plus putain longtemps. Intéressement fatal. Mais je sais plus comment on y joue. Je m'énerve. Attendez. Attendez, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus comment il joue. Attendez. Voilà. Là, je suis niveau 11. Et là, je suis niveau 10. Ok. Bon, mais je m'en rappelle plus. C'est un truc de fou. Je sais plus combien on y joue. Ah, alors, est-ce que tout marche? C'est bon. Allez, salut à tous, c'est Gilles, et c'est Mathieu, on pour un épisode du... pas du SP, mais de Final Fantasy 14. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, et pour preuve, c'est qu'il y a des touches qu'on apprend dans le jeu que je ne me rappelle même pas comment on fait. Voilà, je sais qu'à un moment donné on peut changer de classe et on peut regarder les quêtes qu'il y a à faire avec cette classe là et tout ça, mais je me rappelle plus de touches. Donc attends, tutoriel, voilà. Déplacement, c'est bon, ça c'est bon. Combat, c'est bon. Quête, non, c'est une quête, accepte une quête. Je vais voir ça. Ok, non, ça c'est pas ça. Une quête qui est importante, objet qui interagit avec les objets, mais des objets, ça c'est combat, mission recommandée. Ah, je comprends rien. Équipement, c'est mission. Et l'autre. Non, c'est bon. Les principales. Non. Et les objectifs non plus. Navigation. Pas chier, hein, ok. Non, accomplir une quête. C'est bon, quête importante. Bon, objet, quête, ça c'est bon. Interagir avec les objets, ça c'est bon. Remettre des objets, ça c'est bon. Instance de combat, ça c'est bon. Mission recommandée. Ah, voilà. Notez qu'il est également possible de désactiver la commandation à partir du menu configuration personnage dans l'onglet général de la rubrique interface fenêtre. Configuration personnage. Je comprends rien.
Je comprends rien. Je sais plus comment on y joue. Attends, c'est où? Tout arrive. Ah, ils me sont recommandés. Donc, configuration de personnage. L'onglet général. Ok, interface. Donc, l'onglet est général. Attends, j'essaie de me rappeler. Affiche liste de quête, mission, rien. J'ai cliqué un petit raid. Mais je vois pas. Hein. Attends, c'est configuration de personnage. Et ça? Bon. C'est pas grave, on va faire les quêtes qui sont là. Donc je vais voir si je m'en rappelle plus. Génial, je sais plus les tout. C'est. Donc je vais m'en remettre en. Si je prends ça. Ouais, on va regarder celle-là. Les chapeaux. Voilà. Donc là, on va se mettre en pugiliste et on va voir. Ah ben voilà, c'est ça. Ok, faut que je sois en. D'accord. Un oculiste. Pour faire la quête qui est là. Ok. Eh ben on y va. Ouh, tout ça pour ça? Combien c'est là? Eh ben quelle galère. J'ai galère déjà, hein. Aïe aïe aïe, quelle misère, quelle misère. Attends, comment on y joue déjà? Je sais plus jouer. J'ai joué pendant des semaines et ça y est. Mais ah, tu te rappelles plus, c'est un truc de fou. Gagner un peu d'expérience quand même. Ah, vous inquiétez pas. Voilà, donc désolé, on m'a appelé pour quelque chose, donc j'espère qu'on m'entend, je remets le son, et je vais attendre, plus j'ai mal, je suis doué. Voilà, un petit combat en attendant, pourquoi t'as le son? Ah. C'est bon, j'ai le son. Hey, que ça fait mal. Voilà. Bon, je gagne un peu d'expérience. Pas beaucoup, hein, vous gagnez. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais bon. Ah ouais, c'est cela. Ça, j'en ai pas mal quand même, je suis passé. Je pensais que j'ai tout galéré en enlevant des points de vie, en fait non. Peut-être juste que j'aimerais qu'il me fasse gagner plus d'expérience. Ah, pas mal. Pas mal.
problème avec ça, c'est chiant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit Final Fantasy XIV en live. C'est un vrai plaisir à retrouver. Alors vous êtes en live jusqu'à au moins minuit. Mais alors non, ça va pas être. Tu le savais, je fais toujours une pause et tout ça. Non, ça va être du non, ça. Qu'est-ce qu'il arrive? Moi quand même, je galère à jouer. Pourquoi il a pas attaqué? Oh putain, ça. Bah vas-y, ça va tuer. Je vais faire ça. J'ai plus de magie. J'ai plus de vie. Tout va bien. Ça y est. Enfin ma magie est remontée. Voilà, maintenant on peut se casser. C'est par là toujours. Ça sera solution. Non, j'ai pas de soin sur moi. Ah la vache, niveau 14. Attends, on va essayer pour voir. J'arrive à déjà un ennemi, ce sera déjà pas mal. Ok. Et c'est barré. Mais partez pas. Ouais, vas-y, c'est barre. On vient combattre, ça me fait le prix. Manqué, putain. Allez, j'ai arrivé dans toute sa vie. Elle aussi. J'ai plus de magie. Ah non, je suis mort. Ah oui. On a première mort. Première mort sur le jeu. Enfin, sur ce live. Non. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ça, j'aime pas trop aussi le killist. Parce que franchement, voilà, tu peux pas. T'es obligé de faire avec tes points de mana et c'est un peu galère, je trouve. Mais bon. Après, c'est une classe comme une autre, il faut la faire évoluer, je pense, suivant les quêtes que tu dois faire. Et je ne suis pas la seule, puisque je connais une streameuse qui, elle aussi, joue assez souvent à cet opus-là, donc à ce FF14, et qui, du coup, alors, je sais pas quelle était sa classe de base, mais elle est devenue... Elle est oculiste aussi, comme ça peut changer de classe dans le jeu. Et elle est à peine niveau 10 alors qu'elle est déjà niveau je sais pas combien avec son autre classe. Donc, pourquoi pas. Mais je trouve que pour ma part, la classe oculiste, la classe du magicien, c'est vraiment pas ce que moi ça m'attire. Je retente le deuxième combat. Face à elle. Qui va gagner? Le combat est intense. La victoire va-t-il encore lui échapper? Ou va-t-elle brûler en enfer, la chauve-souris? Il a échappé, putain, saloperie. Voilà, tiens, moi. Allez, ma foi, frère, je l'en ai. Il m'a quand même enlevé quand même le premier. Je sais pas ce que j'ai eu. Noter une fiole de sang de bête. Ah, ok. Cool. Bah, ils sont niveau 14, frère. Hey, lâche-moi. Mais lâche-moi.
Punaise, c'est pas possible ça. Cartographie du continent Tanala. Ok, donc là on y est. Et du coup, est-ce que j'ai d'autres trucs ou pas? Non, pour l'instant j'ai l'air d'avoir un arbre spécifique. Donc du coup, il faut que j'aille d'abord voir ça comme ça. Putain, ils sont niveau 15, frère. Mais niveau 15, je suis même pas, je suis à peine niveau 10. Je suis en oculiste ou en pugiliste, je suis niveau 11. Et pourtant ça fait des heures, je sais pas combien d'heures ça fait que je suis sur ce MMO en solo, mais ça fait déjà pas mal. Et du coup c'est là. Et là, mort. Et j'ai une voiture. Voilà, on va terminer avec Ethel. Ça, j'ai pas le temps. On a pas le temps de dire. Il doit être un truc là. Ouais, d'accord, ok. Bon, donc là-dessus, on s'en bat les steaks en fait. Du coup, attends, on va passer par là. Hein, what the fuck, c'est pas par là. Faut ressortir de la ville en fait. Bon, au moins, j'ai déjà ça. Je peux pas le faire, bon, gratuit parce que j'ai pas de compte. C'est parce que je ne paye pas. Il me semble que c'est un abonnement de 10 € par mois, mais comme je t'ai déjà dit. Ça peut m'être intéressant dans le moment où je vais être là pendant 15 jours, c'est-à-dire si je suis en vacances. Oui, j'aurai la possibilité d'y jouer. Mais hormis les vacances, bah après, il me reste que les samedis et dimanches. Et c'est vrai qu'en ce moment, les samedis comme un petit peu les dimanches, je n'ai pas la possibilité de pouvoir jouer en live. Donc c'est un peu chaud. Voilà. Véhicule de transport. Les troupes. C'est ça que je reprends? Ah oui. Ok. Bien. D'accord. Ok. Normal, ils sont apparus. Comme ça. C'est immense quand même. Enfin, c'est immense, mais c'est quand même de la merde. C'est un trois coups, je l'enlève toute la vie. Voilà, ça c'est fait. Je vais aller où? Oh, c'est relou parce que j'ai le truc qui me gêne et je peux pas avoir. T'arrives pas hein, à rapporter les. Ok, je dois aller où? Ah ok, d'accord. Ça va me saouler. Voilà, tac, voilà. Pourquoi? J'ai pas assez. Il faut que je reparte. Oh non! Changer de carte. Oh punaise. Mais c'est là que je dois aller. Attends, mais je comprends rien. Attends, mais non. Mission, journal, tac. Ok. Ah ouais, je savais que ça. Mais ça m'énerve. Je n'y arrive pas, ça m'énerve. Je vais craquer dans pas longtemps. Allez, j'ai pas assez de sous. Attends, si je retourne là, ouais, non, mais c'est pareil. Pff. Ouais, puis après, j'ai pas de sous donc. J'ai pas de sous donc autant retourner. Voilà, on va regarder la carte là. Voilà. Et je me suis servi pas mal aussi.
train de me faire poursuivre, non? C'est ça, c'est parce que j'ai pas assez d'argent. Faut que je fasse plus de quêtes. Faut que je paye l'abonnement. Alors, là, il faut que j'aille par là, non? Non. Faux. Par là. Ouais. Donc, tac, 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 je prends là, je descends en bas. Ou alors, je fais celui-là. Ah là, il y en a... Oh là, il y a une quête là à faire. Non, on va d'abord finir lui là, au moins comme ça, donc faubourg, ok. On le finit comme ça, on est tranquille après. Je suis désolé, ça va être des passages Lyon, Lyon et chiant. Il m'attaque. Ah, t'as voulu m'attaquer. Ouais, ça lui arrive rien. Bon, on se casse. On se casse, ça lui arrive rien, c'est bon. Je vais pas me prendre le chou pour ça. Mais what? Laisse-moi tranquille. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, laissez-moi passer tranquille, c'est bon. Je veux être en paix ce soir. En paix. Juste moi de gagner un niveau. J'ai la moitié de mon expérience. Ok, c'est bon. Ok, je peux pas. Donc on va attendre que ça remonte tout seul. Donc là, du coup, il faut que je descende. Ouais. Continue par là. Là. Voilà. Voilà, bon, ça, on a l'habitude d'aller à MMO. Je saute toujours n'importe où. En fait, c'est chiant parce que je peux pas me dépasser parce que je suis pauvre. Dans le jeu et dans la vraie. C'est moche, hein. Ok, donc là c'est bon, on y est. On est sur la bonne voie, les amis. On est sur la bonne voie. C'est vrai que c'est sûr que je vais pas faire que me déplacer comme ça tout le long parce que ça va être long. Et peut-être même chiant. Mais bon, c'est le jeu, après tout. Qui me poursuit? C'est bon, on y est. J'espère que j'ai gagné pas mal de points d'expérience, ça serait cool. Ce serait cool de pouvoir avancer comme ça très rapidement. Sur les oculistes. Ah, ça me fait mal. Dans un lieu de repos, ouais, ben c'est pas le repos éternel que je voudrais avoir quand même. Excusez-moi, je suis encore jeune pour mourir. Merci, ça charge. Ah, c'est
Alors, c'est par là. Putain, je suis à l'autre bout, mon frère. Je suis au bout de ma vie, là. Je suis au bout de ma life. J'espère qu'un jour, on va quand même partir de cet endroit. Non, mais je sais pas, quoi qu'on est pas... On a pas l'air de presser parce qu'il y a une quête. Et c'est une quête de niveau 50. Marc avec 40 000 points d'expérience. On va le faire maintenant, comment ça s'est fait. Mais non, pour l'instant, je suis niveau 10 oculiste et niveau 11 pugiliste. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Hein? Attends. Mais non, mais... Ah! Bon, je vais donner tous les ans, c'est pas grave. Alors... Qu'est-ce que va nous donner Coco Bani? Est-ce que c'est l'odeur des terres que je sens? Et la puanteur répugnante du sang d'Amael? Tiens, aussi. Et je vais lui donner quoi? Avec ça. Et ça. Ok. J'ai tout compris. Oh, 10, 20, 30 fois. Quand je vois autant des terres, ça me remplit d'une grande sensation de paix intérieure. Ah oui, tu respires la joie et la paix, toi. Mais qu'est-ce que tu as là, Coco Bani? Voilà. Serait-ce la caisse qui a été volée? Je constate avec joie que les leçons dont je dispute portent leurs fruits. J'ai pas lu parce que je suis pas doué avec l'écran tactile. Avec le pad. Coco Bouki, tu m'as fait venir à l'ossuaire. Aurais-tu finalement décidé de m'initier à l'occultisme? Ah, Coco Bouki, tu arrives au bon moment. Sur maître ici présente a eu la gentillesse d'apporter du sang d'Amadja pour toi. L'alchimiste que je connais m'a appris que tu as utilisé en grande quantité pour des expériences destinées à mettre au point un élixir de amplifier les réserves de mana. Bien entendu, nous sommes très intéressés par les résultats des recherches. Réjouis-toi donc de pouvoir travailler avec nous en tant qualité d'alchimiste. Après tout, tu n'as pas besoin de devenir occultiste pour faire partie de notre fratrie. Et bim! Il a raison, Coco Bussi. Et puis, dis-toi que dans les champs de bataille, sont des endroits dangereux et que notre art n'a pas vraiment pour but de protéger les autres. Je vois. Vous essayez une fois de plus de me dissuader de suivre ma véritable vocation. Mais je ne veux pas être mis à l'écart pendant que vous affrontez des gens. Je veux me battre à vos côtés. Comprends-nous, Coco Bussi. Nous ne pouvons simplement pas supporter l'idée que tu puisses être blessé. Nous pensons à ton bien-être, c'est tout. Ah, excusez-moi, ma jeune amie. Comme je t'ai expliqué auparavant, notre jeune frère Coco Bussi n'a malheureusement pas l'étoffe pour devenir occultiste. Son être n'est pas suffisamment traversé par les terres pour manipuler la magie. Même si nous lui produisons les meilleurs enseignements, il serait incapable d'incanter une flamèche. Il pourrait même se tuer en essayant des sorts plus dangereux. Mais nous ne nous attardons pas davantage sur ce fâcheux sujet. De ton côté, Jérôme, tu possèdes un énorme potentiel pour l'occultisme. Continue donc à te concentrer sur ton apprentissage de notre art mystérieux. Voilà. Comment on va bouler le dernier de sa fratrie. Ah merde! J'ai cliqué sur... Oh putain le con. Mais j'ai cliqué sur refuser, mais pourquoi? Mais je suis un abruti. Allez, on va tout refaire. Parce que je suis trop con. Voilà. Ouais, vous voyez les amis, si vous le regardez en rediffusion, il n'y a pas besoin de faire des mini-jeux pour me rendre compte que pour faire un bêtise, que je pourrais entrer largement dans un bêtise. Même la phrase que je viens de dire, ça n'a aucun sens.
Donc du coup je repasse le texte parce qu'on va pas tout se revenir, c'est bon. Ça m'a déjà saoulé. Je vais aller taper du monstre. Je veux taper du sang. Je veux que la saigne. Voilà. Sceptre. Bon ça c'est déjà... Ah, tout est cassé niveau 10, ok. Mais je vais essayer de trouver un truc pour l'occultisme. Niveau 11. Putain, il y a vraiment rien. Par contre, défense magique plus 3. Plus 3, plus 3. Et plus 3. Mais là, on passe à 18. Alors que là, on passe à 13. Là, on passe à 13. Là aussi, et là aussi. Mais du coup, je vais prendre ça. Parce que, donc, celui-là, je l'ai. Quête accomplie. Du coup, du personnage. Parce que j'en ai un peu marre de mettre cette tenue. Ah, je peux la mettre pour toutes les classes. Ouais, mais du coup, ça va être mon chapeau. Alors, on va mettre ça. Mon beau chapeau. Ah, bon, on va mettre ça, tiens. Oh là là, mon bonnet de bain. C'est un bonnet de bain que j'ai. Ah, ah, alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? Pourquoi c'est pas bon? Vas-y. Niveau 15, ok. Bon. Alors. Alors. D'accord, déjà il y a une quête là. Ok. Est-ce qu'il faut. Donc je peux le faire en tant qu'occultisme. Attends. Attends, ce qu'on va faire, parce que du coup, j'ai un peu de retard sur moi, en bas. Ouais, je sais pour sauvegarder la tenue. Ah, faut essayer. Mais non, je vais sauvegarder. Mais non. Ah, sous-menu. Ah, ça fait 6. Ok, d'accord. Mais du coup, je vais faire ça. Voilà. Et je regarde. Attends. J'en ai marre de me tromper de touche. Du coup, carte. Ok, donc je peux y aller comme ça. Tranquille. Et je vais faire du combat là. Et ensuite quand j'arrive devant, je me change en occultisme, mais c'est bon. Bon après, il faudra revenir ici au niveau 15. Ah mais non, attends, j'ai une autre quête avant. Et oui, parce que là, je suis en train de faire la quête principale, mais je suis con. Lui, c'est où? C'est maintenant... Il est où lui? Ah ok, d'accord. Il est à droite en sortant. Ah, mais j'étais con parce que j'allais faire une quête principale. Je veux pas, je veux d'abord. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est je finis d'abord toutes les quêtes annexes dans les environs et ensuite. Mais c'est où que je dois aller? Là. Même pas. Loupé. Là. Loupé. Oh mais merde alors. J'ai une chance sur combien de planter à chaque fois? Là. Là, c'est un donjon. Là, je peux pas. J'ai pas assez de niveau. Enfin, en plus, il faut niveau 15. Ah mais c'est là, mais je suis con. C'est à côté, mais quel humeur. Quel crétin. Des baffes. Je me dis, des fois, je mettrais des baffes. Pim, pim, dans la tronche. Allez. Youhou. Youhou. Pouin. Ah, même pas. Pas assez haut. C'était pas assez haut. Pour la mort. Qu'est-ce qu'il y a lui?
Tu veux te battre? Ah bah tiens, je suis niveau 11, attends. Oh putain, par contre c'est la merde. J'ai pas intérêt à me louper. Ah mais d'accord, mais je vais manger ma vie aussi, je crois que c'est toi. Et voilà. Et voilà comment on gagne les combats. Bon, j'ai gagné que 157 points d'expérience, c'était pas beaucoup, mais voilà. Eh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut se battre. Eh, il veut se battre. Il veut se battre. Eh. Ouais, ouais, c'est ça, casse-toi là. Je suis fou. Aidez-moi. Sortez-moi de là. J'ai quand même 210 points de PV. 210 points de vie quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, le but aussi, en tant que pugiliste, c'est quand même aussi d'arriver au niveau 15, parce que j'ai encore une quête avec mon maître pugiliste qui me reste à faire au niveau 15, comme dans les occultistes d'ailleurs, où c'est pareil. Donc c'est pour ça que je me permets de sortir, de continuer les quêtes à l'extérieur. Voilà, pour les combats. Le combat là, je peux le faire comme ça, au moins je gagne aussi de l'expérience. Sachant que comme je l'ai dit, je vais faire de 55, donc là c'est priorité à celui-là. Donc quoique je vais même pas repasser un occultiste après. Parce que j'ai plus de mission d'occultiste. Pour le moment. Bah lui je vais pas te tenter. En fait, quoi que si je peux prendre un 6. Ouais, je sais pas, non. Non, non, on va en faire un de 55. Là c'est un peu chaud. Là il faut qu'on se barre. Putain j'essaie hein. Non, faut que je me barre. Je vais mourir. Ah, j'en fous là. Franchement le truc là, le machin je m'en bats les steaks, franchement ça ne m'intéresse même pas. En plus je trouve ça chiant. Bon alors la quête principale est là, j'allais voir Dadanen, mais il y a une petite quête annexe qui est juste là avec Toto Nova. Mandant. Il est mandant. Bonjour Amateur, je suis Toto Nova, le responsable des mandats de Guild Horizon. Vous êtes ici à demande de stage, n'est-ce pas? Très bien, laissez-moi vous confier votre première tâche. Ne vous en faites pas, ce sera très facile. Avant de vous confier les travaux plus importants, je veux simplement m'assurer que vous êtes en pleine position de vos moyens. Prenez donc connaissance du contenu de ce mandat, pensez-vous que vous serez à la hauteur. Je déteste. Je hais ça. C'est quoi la semaine à mandat faire? Oh non. Prenez tout le mandat, section et titre. Oh, je vais essayer ensuite d'accepter. Vous avez le mandat, vous avez choisi une prendre sur le petit, enlever, le mec. Pas tout le monde, vous avez fait. Vous avez accepté jusqu'à 16 mandats. Ok. Bon, déjà, on va faire une par une, déjà, ce sera déjà pas mal. Ah putain, mais j'ai cliqué. Je pars en cacahuète. Je vais faire quoi? Merveilleux. Juste un petit conseil. Lorsqu'ils se sentent en danger, les pays ont tendance à s'enfuir pour plus revenir à la mer. N'attendez pas avant de donner le coup de grâce, ou vous risquez d'être vite submergé. Mais en temps, il est temps de tenter votre premier mandat. Vous pouvez le lancer en passant par le journal. S'il est en mauvaise posture, un pays se choisira à coup sûr à moi-même.
Ok. Vous pouvez vérifier la liste des mandats que vous avez accepté à partir de... Ok. Avant de commencer, assurez-vous de compléter une vieille mission en sélectionnant le bouton carte. Ok. Une fois à la place... Ok. J'ai déjà oublié. Journal. Ah, là. Ah, c'est juste en face, c'est bon. Oui. Puis c'est bon, confirmé. Au bout de la mission. Mais fin. Ok. Alors du coup, on va se changer. Voilà. Ça va faire quand même gagner un peu plus d'expérience. Mal, je serais pas. Je crois que je vais me faire un caca, je tape mes yeux à la jambe et j'ai tellement mal que j'arrive même pas à savoir comment passer ma jambe. Alors. Non, alors déjà on va éviter. C'est bon. Mission accomplie. Retournez auprès du mandat de la maison. Oui. Ah d'accord, ça se déporte automatiquement. Vous savez que vous êtes triomphé. Tenez, voici votre récompense. Vous l'aviez mérité. La récompense est augmentée de 1 degré pour la difficulté. En outre, la récompense est augmentée pour la rapidité. Ah bah cool. Au vu de votre performance, je ne vois aucune raison de refuser l'accès au monde de vie officiel. Une personne aussi capable que vous ne devrait avoir qu'un mal à se remplir les poches pour tenir en raison. Au choix. Ah ouais, mais ça fait descendre. Hein. On va prendre ça. Ah, il y a une nouvelle quête. Cool, je suis passé niveau 11. Navoa estime qu'il est temps de vous parler de l'opération de guild. Au vu de la maîtrise à laquelle vous avez fait vos débuts, avec le mandat, je pense qu'il est temps de vous parler de l'opération de guild. J'ai mis au courant la brigadière Lost Rabbit de votre récent exploit. Allez donc lui parler, elle vous expliquera tout ce que vous voulez savoir sur le sujet. Putain, il y a quoi? Non, tu vas toujours voir. Ah, c'est pour parler, d'accord. Eh ben là, à côté. Tout le monde me parle de vous. Vous êtes intéressé par les opérations de guide, c'est ça? Très bien, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Les opérations de guide mettent à l'épreuve votre capacité à coopérer avec vos équipiers. J'en ai pas. Pour surmonter des obstacles trop difficiles pour une personne. Rien n'est impossible pour moi. Je suis Dieu lui-même. En fait, les missions que j'ai proposées sont parmi les plus dangereuses que vous trouverez dans les environs. Faire une parfaite coordination avec vos compagnons, vous n'en viendrez pas à bout. La tâche est ardue, mais les récompenses en valent la peine. Et vous contribuez en même temps à préserver la sécurité des habitants des Orasa. Tenez, pour vous encourager, je vous donnerai même un petit supplément à la première opération réussie. Quand vous serez décidé à y participer, venez vous adresser à moi, d'accord? Au choix, poussons. Mais si vous avez compris, il faut faire quoi? Il faut leur parler. Vous avez la permission d'arrêter les volontaires. Hein? Cool. Cet exercice de bataille testera votre aptitude à gérer plusieurs groupes d'ennemis. Après, à séparer les ennemis de leur groupe en les attaquant à distance et en les combattant hors de vue les créatures. Ok. Ah oui, d'accord. Oh putain, ça y est, je vois ce que c'est. Formation de l'équipe en cours, temps écoulé. Hein. Bon bah en attendant je peux commencer une prochaine quête, ok. D'accord, oui, bah oui, c'est comme un peu dans, comment ça s'appelle. Vite, que je me rappelle.
C'est comme dans univers en même. Voilà, je serais plus mort. Donc là, je suis en attente, ok. Voilà, attendant, je vais commencer une quête. Tu dois certainement être l'aventurière dont t'as parlé de mon outil. Je commence à me demander si tu allais vraiment venir. Bon, je vais t'expliquer ce que j'attends de toi ici. J'attends de toi. Le camp Horizon est un point de passage obligé pour la marchandise. Décharger la baie des Vêpres plus à l'ouest. L'endroit grouille de commerçants et de convoyeurs occupés par leurs affaires jour et nuit. En ce qui me concerne, le commerce marche formidablement bien. Et je manque de bras pour suivre le rythme et tenir tous mes engagements. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. J'espère que tu es motivé car ce n'est pas le travail qui manque. Fais-moi signe quand tu seras prête à transpirer. Messieurs les développeurs des MMO. Quand vous faites un jeu MMO avec un personnage principal qui est censé pouvoir sauver le monde. Pourquoi je suis obligé de transporter des caisses? C'est quoi le rapport avec les cristaux que j'ai trouvés? Très en défense. C'est tout, tout le monde, tout peut mettre. Tout le monde. Bon, pas de choix. Voilà, donc là du coup je suis... c'est l'équipe en cours. Ouais, j'ai un nouveau truc. Cool. Niveau 12. Attends. Oui, je sais sauter. Mais du coup... On va mettre ça, du coup. Voilà. Mais quittez pas. J'espère que c'est la dernière fois qu'on vient me déranger pendant le live. C'est génial. Deux fois, même pas une heure qu'on vient me déranger, mais je crois que c'est un record au monde. Donc, est-ce qu'on m'entend? Je vais sauter. Voilà. C'est bon, on m'entend, tout va bien et je suis toujours en attente pour passer l'entraînement. Ok. Mais du coup, on va continuer. Tiens. Il y a besoin que vous rendiez sans plus attendre dans les mines que je remette. Je ne regrette pas que mon audit t'ait envoyé à mon service. J'aimerais que tu ailles aux mines de cloche cuivre. Le plus possible. Comme mon maudit a dû t'expliquer, je suis marchand de minerais et de pierres précieuses. J'attends une livraison directe de ces mines, mais je n'ai toujours rien reçu et je commence à m'inquiéter. J'ai payé très fort pour ces pierres et en dehors, il est hors de question que je me laisse rouler sans les dire. Pars trouver Brickenstack dans les mines de cloche cuivre et montre-lui ce courrier. Fais-lui comprendre ce qu'il doit me faire parvenir ma commande sur le champ. C'est loin. C'est à côté. Très bien. Alors. Le mec, j'ai fait 200 mètres. Hein. Regarde la taille. Ouais, c'est moi qu'on appelle Rockenstein. T'as besoin de quelque chose, mademoiselle? Ah, c'est monsieur Dadanen qui se passe. Faut pas qu'il prenne la moule comme ça. La vérité, c'est que c'est une grouille de monstre et que son dad ordonne de suspendre le travail. J'aimerais bien lui envoyer sa commande, mais pour l'instant, je peux rien faire. Ouais, 9 en défense, c'est 9 en défense magique, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a chaud? Je vais faire ça. Allez, c'est pas mieux de dire après la mine, chercher les gars.
Vu que t'auras pour toi, tu es dans l'intérieur, je me trompe. Tu tombes bien. Tu vas pouvoir me rendre service. Quand l'ordre d'évacuer les mines et que ça a été donné, je me suis enfui tellement vite que dans la panique, j'ai laissé tomber tous mes outils. Tu es bien allé ramasser pour moi. Lynn, tu as sécurisé un vieux marteau et un maillet lourd. Ils doivent être à l'extérieur, devant l'entrée. Fais attention, les bons boss là-bas sont particulièrement agressifs. Attends, ok. En fait, ce que M. Dananen m'a commandé, c'est une minerai rare appelée Nashacite. J'ai bien réussi à acheminer un petit chargement à l'extérieur des mines, mais avec tous les goblins qui rôdent devant, impossible de les récupérer. Pourquoi on est tout comme ces salopettes sont friands de cailloux? En tout genre, j'ai peur qu'elles ne fassent qu'une bouchée. Ça m'arrangerait bien que tu ailles les chercher. Ah ben voilà, c'est tous au même endroit. Je sais pas si je dois faire ça. Attends, Benson, c'est quoi? C'est magnifique, j'ai rien compris. Merde, je crois que je suis loin. Je crois que je suis occupé de ça, en fait, tu sais. Ah, rappelle-moi, je suis où? Voilà. Ah, je vais, c'est des combats. Boah, on roule plus dans les couronnes. Dans les couronnes. Ah, c'est explosé, non? Alors, on va y arriver les mecs, de toute façon c'est très... ça c'est assez cher. Ah, ça c'est fait. Allez, je suis mal. Je sais vraiment pas comment me passer avec ma jambe. À la pièce. Ah, t'as le minerai. Hop. Bon, pour l'instant, on avance tout doucement avec le petit cadre. Ok, le mot. Ah, il y a le marteau là-bas. Pas rentrer? Non, pas rentrer, ok. Mais c'est là que c'était, il y a une licence, je sais pas quoi.
C'est M200 qui me... Je sais pas si c'est... Voilà. Allez, je récupère ça. Voilà, on va aller par là. Ça va, on est tranquille. Pour l'instant, on est bien là, on est très bien. On avance tout doucement. Allez, tu vas mourir, oui. Voilà. Allez, j'aime quand même une bonne expérience, 540, j'ai vu tout à l'heure. Je pense que ça serait mieux, hein. C'est des puces. Mais bon, passons. Voilà. Ok, du coup il me reste un truc là. Et après il me reste encore un autre truc à faire, à trouver. Ah ben il est là, pas trop obligé. Je vais trouver le dernier objet qui me manque et c'est une quête. Et c'est deux quêtes. Excusez-moi. Et voilà. C'est bon, on peut se barrer d'ici. Pour leur remporter tout ce qu'on a trouvé. Des attentes moyennes, 10 minutes, je suis à 7, 10, 13. 13, 10, 13, 20 déjà. Alors, on sent que j'ai laissé tomber une pioche aiguisée et des marteaux, hein. Ouais, je vois. Fais voir. Oh oui, 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 ce sont bien mes outils. Oui, 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 oui. Ça alors, je suis bien content de les revoir. En fait, ça faisait moment déjà que je pensais aller chercher le travail. Inutile de te dire que sans mes outils, je n'aurais pas été bien loin. Grâce à ton aide, je vais pouvoir poursuivre cette idée et surtout continuer avec ce monde. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Combattant, toutes les cases, on va prendre ça. Voilà, et donc là du coup, mon personnage, tac. Non. Ne prends pas le chou s'il te plaît, c'est pas le moment. 10. Ouais, même c'est la même chose en fait, donc ça sent bien. Alors, tu as réussi à mettre la main sur mon design? Oui, c'est bien ça, tu vois. La machiste porte son nom car sa couleur rappelle celle des yeux d'une ministre ancienne sultane. Nasha. Oui, Nasha. Bien, grâce à toi, je vais éviter quelques problèmes avec Monsieur Dadanden. Quoique, il en manque un peu, pas. Il en manque pas un peu. J'espère que cette année, Kobin, ne sont pas venus l'été avant que tu arrives. Ah, il y a encore une quête. J'ai essayé d'y avoir une information intéressante à partager avec vous. Pour t'éviter d'être venu ici pour rien, laisse-moi te demander mon chiot.
T'as peut-être vu ces nuées de moucherons au soleil sur les routes entre horizon et les mines de cloches cuivre. Figure-toi que les lames de cuivre offrent une récompense à quiconque les aide à exterminer cette vermine. Les moucherons féroces sont pas bien dangereux, mais il arrive qu'ils effraient les chocobos et provoquent des accidents au sein des caravanes. Enfin, vu ta carrure, vaut mieux que tu restes sur tes gardes. Quand tu l'auras éliminé suffisamment, retourne à horizon et présente-toi à Fufulupa pour recevoir ta paye. Tu as bien tout compris. C'est un bon moyen de se remplir les poches rapidement, si tu veux mon avis. Yes, papa, on y va. C'est quoi que je dois faire? Les nuées. Oh, mais ça me trouve si facile. Il y a un faut que j'en combatte combien? 4. Minitis dans ta mignon. Mignon. Je peux t'inquiéter tout seul. Au secours, c'est mon homme. Ok, et bien. Là, il faut trouver, mais non, il y en a 4. C'est de la musique. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Mais vas-y. Ça te casse, ça me veut. Ah, c'est parce que ma casse, d'accord. D'accord, bon, je me casse. Ouais, si je change, je serais comme ça, mais je suis trop con. Voilà, je perds mon combat. Faut que je retourne m'inscrire, quoi. Oh, punaise. Et oui, j'étais un pugiliste, c'est vrai. J'étais un pugiliste, et là je suis un pugiliste. Voilà. Et quand j'étais accepté, j'étais plus pugiliste. Ah, fais chier, c'est chiant ça. Je vais se mettre à jour tout seul, automatiquement. Ok, c'est le troisième que je combats. Voilà. Fufu les pains, fufu les pains, fufu les pains, fufu les pains.
Ah mon con, ah punaise, j'ai le cou qui a fait craquer. Et ça fait mal. Il a pas fait craquer, il a craqué, je fais mon poké coup. Et ça ramasse même. Bien le bonjour, aventurier. Oh, vous avez participé à l'extermination des mouches en soleil. C'est bien sûr, c'est un métal féroce. Et nous peinons à nous en débarrasser définitivement. Nous, notre lame de cuivre, manquons d'hommes et haine. Et l'aide des gens comme vous est toujours la bienvenue. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez continuer à nous apporter votre soutien. Nous serons à. La mission est prête. Ok. Entraînement, le groupe, l'ennemi. Vérification des participants en cours. Ok, bah je vais te la tracer. L'article jeu en équipe a été ajouté au tutoriel. L'article transcendance a été ajouté au tutoriel. Ok, ah, il y a plusieurs cool. J'ai vu la mission et je dois faire quoi? Éliminer les ennemis sans vous faire voir. Les ennemis du même groupe combattant se. Je vais éliminer, merci. Avec mon combat, ça. Éliminer le groupe d'ennemis, attends. N'arrêtez pas vers le danger, c'est de l'ennemis. Je vais aller vers le danger, moi. Que plus vous avez repéré, éliminer les comparses avant de passer. Ouais, je sais pas ce que. Merci d'avoir. Eh ben c'est bien pour moi, oui mais je comprends rien, c'est. Il sera bien pour moi là. Eh bien. Voilà, il s'est accroupi. Ah ok. C'est fini là. Ah la arme là. Ok. Alors, mais on travaille un trait ici pour la surface. Ça alors, quelle démonstration de tenez-vous cette compensation et quel supplément pour vous encourager à revenir nous prêter main forte. Voilà, ça, on a déjà accordé. Voilà, un autre bonus est accordé par les membres de l'équipe. Enfin, cool. Ah, mais. Pas d'expérience. Du coup, cool, des points d'expérience. Des sous aussi, c'est cool. Alors, du coup, on en était là. Alors, on va voir ce que lui il va me proposer. Ah, d'accord, ok. Ah non, mais t'as pas. Ah bah attends, on va pas le faire. Mission journal. Ok, c'est là-bas. Ah bah en fait j'aurais pu aller n'importe où. Bon c'est pas grave. Du coup on va pas continuer sur la quête principale. On va faire tous les mandats de l'hypo, ouais. On va aller chercher des sous de part. Je sais même pas ce que je dois combattre. Ah bon pendu. Et crapaud qu'on est. Ah bah attends, il y a un crapaud.
Ouais, c'est ça. Des joies ou des femmes heureuses, je sais pas. Excusez-moi, je baille un peu. Bon, j'en ai fait moi aussi. Ah ouais,